aussi, elle est meurtrie par une forme d'ignorance collective et de reconnaissance, de manque de reconnaissance de la société. En 2016, François Hollande a reconnu officiellement l'implication de la France dans les persécutions faites aux familles nomades pendant la guerre, mais cette reconnaissance n'est que partielle, puisqu'il reste encore beaucoup de champs, et notamment la question des réparations des spoliations, la question aussi du champ historiographique, comme disait Gigi, qui reste encore à explorer. On a beaucoup de zones d'ombre sur cette mémoire. Dites-vous bien que ça fait 80 ans que cette histoire est passée, et nous n'avons toujours pas de liste officielle des personnes qui ont été persécutées, comme nous n'avons pas de liste officielle des personnes qui sont mortes. Et donc, il était important, je pense, de présenter des travaux d'artistes contemporains qui viennent un peu comme une forme de riposte à cet oubli de la mémoire, une forme de riposte transgénérationnelle aussi, puisque vous avez ici un artiste qui est un ancien interné du camp de Rivesaltes, Louis Berkler, dont Gigi vous parlera probablement tout à l'heure, et qui a peint des scènes de vie avec scènes de vie surtout d'après-guerre, donc des scènes de sa vie, des scènes de la vie sur le voyage, des scènes de la vie religieuse également. Et puis on a choisi également de croiser le regard avec deux autres artistes, des artistes plus jeunes, Marina Rossel, qui est issue d'une famille de voyageurs et qui se présentera et qui vous présentera son travail tout à l'heure, et Romuald Jandolo, qui vient d'une famille de circassiens et qui travaille autour d'une iconographie que vous voyez assez proche de l'univers. L'idée dans ce travail artistique, et globalement, c'était de montrer la richesse des productions artistiques des descendants des nomades, quelque part. Et il est important parce que on a dans le mouvement artistique aujourd'hui deux angles de riposte. Il y a celle qui fait face aux discriminations, aux discours, à l'ignorance, des artistes qui cherchent à montrer leur quotidien. Et vous voyez dans le travail de Marina qui aborde cette question, par exemple, du lieu de vie, de cette difficulté de pouvoir vivre sereinement aujourd'hui pour ceux qu'on appelle les gens du voyage, notamment. Et puis il y a la question de faire trace face à une mémoire qui est oubliée, une mémoire qui est partielle, des archives qui sont fragmentaires. Et faire trace, c'est laisser qu'elle, finalement, venir laisser l'art combler ces vides-là, d'une certaine manière.